Pour la plupart, les risques et les menaces auxquels nous sommes confrontés ne nous étaient pas inconnus. Mais leurs manifestations se sont accélérées, leurs effets se sont amplifiés et rapprochés. Il s'agit en particulier du terrorisme djihadiste, et je veux saluer l'action des hommes et des femmes des armées françaises qui, partout, font reculer l'hydre terroriste et permettent de chasser les groupes barbares de leur fief. Presque 2 ans jour pour jour après ces attentats, nous avons gagné. Mais cette menace n'est pas la seule. Partout, nous assistons aussi au retour des rapports de force, à la tentation de militarisation des relations entre États, à la remise en cause des institutions et traités internationaux, à la contestation des espaces communs. C'est dans ce contexte général que vous devrez pouvoir intervenir demain. Oui, je compte sur vous car la capacité militaire de la France est au cœur de mes ambitions pour notre pays. Nous avons gagné à Raqqa. Et les prochaines semaines et les prochains mois, je le crois profondément, nous permettront de gagner complètement sur le plan militaire dans la zone irako-syrienne.